Vous êtes bien au rendez-vous de l'édition du journal de 18h30 sur TV+ Madagascar. Une grande annonce dans les titres de ce soir, à savoir la formation du nouveau gouvernement prévu se tenir demain à 16h et retransmise en direct sur TV+ Madagascar. Suivons tout de suite les grandes lignes de nos informations de ce soir. Les noms des ministres qui figureront dans le prochain gouvernement du Premier ministre Christian Tsai seront connus demain 15 août à partir de 16h, d'après les informations publiées par la dépêche informative Tarek. La présentation sera diffusée en direct sur la chaîne nationale et sur TV+ Madagascar. Les habitants dans le district de Vangaïdjan, dans la région du Sud-Est, se plaignent actuellement du problème social qu'ils subissent selon les natifs du district qui sont réunis dans l'association TESAC. Ils souffrent de manque d'infrastructures, mais aussi et surtout de la hausse de niveau de vie actuellement, d'après les explications. La révision du code minier n'était pas une priorité face au contexte socio-économique actuel, d'après un économiste. Celui-ci met un accent sur la hausse des redevances minières, laquelle n'est pas opportune dans la mesure où cela impactera l'arrivée des investisseurs. Et enfin, la Turquie est touchée par des inondations d'une ampleur historique causées par d'intenses précipitations. Le président Erdogan s'est rendu auprès des populations sinistrées vendredi. À la une de l'actualité de ce soir, les noms des ministres qui figureront dans le prochain gouvernement du Premier ministre Christian Tsai seront connus demain 15 août à partir de 16h, d'après les informations publiées par la dépêche informative Tarak. La présentation sera diffusée sur la chaîne nationale et reprise sur TV+ Madagascar. Rappelons que le président Andry Rajoelina et le Premier ministre Christian Tsai ont annoncé par le biais d'un communiqué officiel mercredi dernier la dissolution du gouvernement. Depuis, les ministres ont assuré l'intérim jusqu'à la désignation des membres du prochain gouvernement Tsai, qui sera effectif à partir de demain à 16h, selon la dépêche informative Tarak. Et les habitants dans le district de Vangaïdjan, dans la région du Sud-Est, se plaignent actuellement du problème social qu'ils subissent selon les natifs du district qui sont réunis dans l'association TESAC. Ils souffrent du manque d'infrastructures, mais aussi et surtout de la hausse du niveau de vie actuellement, d'après leurs explications. Raison pour laquelle ils lancent la sonnette d'alarme aux dirigeants afin de leur venir en aide. C'est un reportage signé par Nidjatine et image Yves Rassat. Les habitants du district de Vangaïdjan dans la région du Sud-Est se plaignent actuellement d'être complètement ignorés, voire oubliés des dirigeants, selon les natifs du district qui sont réunis dans l'association TESAC. Le manque d'infrastructures est le plus criant de leurs problèmes, d'après les explications. Cette lacune empêche le développement du district, dont les étudiants en sont les principales victimes. Le seul lycée existant dans ce district ne suffit plus aux nombreux étudiants sur place, ce qui fait que certains décident même d'abandonner les études. L'avenir des jeunes, et surtout celui du district, est enclin à l'échec. Vient aussi s'ajouter la hausse du niveau de vie actuel qui aggrave encore plus leur quotidien, raison pour laquelle les natifs du district de Vangaïdjan tirent la sonnette d'alarme. Ils appellent à l'aide à l'endroit des dirigeants au sein de leur localité, mais aussi au niveau national. Selon eux, le sud n'est pas l'unique endroit dans le besoin, mais leur district dans la région du sud-est mérite également de l'attention, ayant été en reste de depuis longtemps. Et la révision du code minier n'était pas une priorité face au contexte socio-économique actuel, d'après un économiste. Celui-ci met un accent sur la hausse des redevances minières, laquelle n'est pas opportune dans la mesure où cela impactera l'arrivée des investisseurs. Si l'État a voulu effectuer des révisions dans le code minier, il aurait dû insister sur celle de la gouvernance minière qui pourrait aider énormément les petits exploitants. C'est un reportage signé par Martine Adjebloul, image Omega Renevzon. Le secteur minier n'est plus porteur de croissance pour Madagascar actuellement.
En effet, depuis 2016, la Grande Île ne figurait plus dans le classement des pays miniers et de ce fait ne figurait pas non plus sur le tableau des investisseurs. Les grands investisseurs qui opéraient dans le pays sont devenus frileux, à ne citer que le cas d'Ambatuvi, où les Japonais y sont les seuls investisseurs actuellement, selon les précisions. Outre le problème d'infrastructure, dans l'absence de port suivant les normes, la situation politique du pays, frôlant plus ou moins avec l'instabilité, a eu un impact sur le secteur. À cela s'ajoutent les problèmes de législation et surtout de la concurrence au niveau international. Et pourtant, avec le nouveau code minier, tous les éléments qui ne motivent pas les investisseurs sont réunis dans la hausse de la redevance minière de 2% contre 5%, qui demeure pourtant justifiée comparée à d'autres situations dans d'autres pays. Je crois que c'est avec l'apparition de la pandémie mondiale, ce n'est pas opportun de changer le code minier. Il faut utiliser le code minier actuel. Et puis essayer, par le biais de l'élaboration d'une vraie politique minière, pour gérer les conjonctures, c'est-à-dire les augmentations et les baisses des produits miniers, comment réguler tout cela, et puis chercher à accueillir d'autres investisseurs nationaux, inciter les nationaux surtout, ceux qui ont de l'argent, à placer leur argent dans le secteur minier, et puis accueillir d'autres investisseurs étrangers, parce qu'on a encore d'autres gisements à exploiter. À part cela, la loi sur les grands investissements devrait être adaptée au contexte économique. L'État devrait adopter des dispositions flexibles par rapport aux circonstances. Le budget accordé par l'État dans la lutte contre la malnutrition est encore insuffisant selon la plateforme de la société civile INA. En effet, cet appui financier ne représente que seulement 3% du budget de l'État. Cette situation constitue un obstacle à l'atteinte de l'objectif qui consiste à réduire le taux de la malnutrition à 38% avant la fin de cette année. Malgré les difficultés rencontrées, le taux de la malnutrition dans le pays accuse toutefois une baisse considérable actuellement. Pour la région de Haute-Matsiatch, le taux est de 43% contre 53% en 2018. Interla Larsou nous en dit plus. L'objectif de diminuer le taux de la malnutrition à Madagascar à 38% atteint son délai final vers la fin d'année. En seulement 4 mois de la date butoir, cet objectif est loin d'être accompli avec un taux de malnutrition de près de 42% actuellement. L'insuffisance du budget accordé à la lutte contre ce fléau figure parmi les obstacles, rendant difficile, voire impossible, l'atteinte de cet objectif selon la plateforme de la société civile INA. En effet, l'État n'accorde que seulement 3% de son budget dans cette lutte. Par ailleurs, au niveau mondial, les dirigeants affectent en moyenne 15% du budget national au domaine de la santé. Madagascar alloue quant à elle 7% de son budget au domaine de la santé publique. À part l'insuffisance de budget, le problème de coordination et de répartition des activités reste toujours un obstacle, a précisé la vice-présidente du conseil d'administration de la plateforme HINA. Malgré ces difficultés, la plupart des régions enregistrent quand même une baisse considérable de leur taux de malnutrition. À l'exemple de la région de Haute-Matsiatch, dont le taux de malnutrition est de 43% actuellement, contre 53% en 2018. Une baisse justifiée par le renforcement des approches et des sensibilisations auprès de la population selon le point focal de l'Office Région de Nutrition de Haute-Matsiatch. La multiplication des entreprises permettant de transformer les produits locaux figure également parmi les solutions dans cette lutte contre la malnutrition, selon le député de Bétaf et à la fois membre du réseau des champions pour la nutrition.
La célébration du 5e anniversaire de la plateforme Ina Fianarantsoa a été l'occasion de remettre les prix aux journalistes membres du réseau des champions pour la nutrition Chanu, lauréat du concours organisé par cette plateforme. Et la brigade anti-pirate au BAP a mis la main sur 3 duplicateurs, 477 DVD pirates, 78 matrices, des jackets jeudi dernier. Ces matériels ont été découverts au domicile du cerveau de ce piratage d'œuvres cinématographiques en Boudrin, un peu flou. Il sera présenté devant la justice. Abraham Razafi. Coup de filet de la brigade anti-piratage, BAP, du ministère de la Communication et de la Culture jeudi dernier. En effet, après de nombreuses plaintes émanant des producteurs cinématographiques malgaches, les éléments de la BAP ont obtenu des renseignements venant d'une source spécifique. Ils se sont donc rendus jeudi dernier au domicile d'un certain Malm, connu pour le piratage d'œuvres cinématographiques. La brigade anti-pirate du ministère de la Communication et de la Culture ont mis la main sur 3 tours ou duplicateurs, dont 2 sont hors service, une unité centrale, un écran plat et 477 supports de DVD pirates, dont 269 œuvres malgaches, mais aussi 100 films étrangers illégaux, 30 films pornographiques et 78 matrices malgaches et étrangères. Plusieurs jaquettes ont également été saisies. Après enquête préliminaire, le surnommé Malm a reconnu ses faits et sera présenté devant la justice. La brigade anti-pirate du ministère de la Communication ne ménage pas ses efforts dans la lutte anti-piratage et encourage les citoyens à leur fournir tout renseignement nécessaire aux enquêteurs. Le commandant de la gendarmerie nationale, le général Ndianzanaka Nzatoarsoud, a affirmé la volonté de la gendarmerie nationale de prêter main forte à l'instauration de la paix et de la sécurité, selon le vélerin du président de la République. C'était lors de sa déclaration cette semaine devant le chef suprême de l'armée malgache. Il reconnaît toutefois que des efforts sont encore à déployer pour regagner la confiance de la population. Mais la volonté est là, dit-il, le commandant de la gendarmerie nationale. Tiamana Doni, Yves Assata. Le président Radzoué l'avait formulé comme vélerin numéro 1, la paix et la sécurité pour la population. Pour cela, il a priorisé les infrastructures de l'armée malgache. Dès son ascension au pouvoir, il s'est chargé de redorer l'image des forces de l'ordre en leur dotant de nouveaux matériels et d'armements. Le président de la République avait même pris la décision de suspendre le recrutement des fonctionnaires, sauf des 3 secteurs à savoir l'éducation, la santé et la sécurité. En parallèle, le commandant de la gendarmerie nationale, le général Ndianzanaka Nzatoarsoud, a affirmé la volonté de la gendarmerie nationale à prêter main forte dans la réalisation du vélerin de paix et de sécurité du président André Zouiln. Nous sommes prêts à continuer et accomplir les missions de sécurité que l'on nous a confiées. Nous sommes prêts à corriger nos erreurs qui, force est de le constater, existent encore. Nous sommes prêts à collaborer avec les autres entités pour réaliser le vélerin de paix et de sécurité et regagner la confiance de la population. Ce sont les mots du commandant de la gendarmerie devant le chef suprême de l'armée cette semaine. Le général Ndianzanaka Nzatoarsoud a réitéré l'influence positive des efforts de l'État sur les troupes. En effet, depuis le régime de la transition, André Zouiln avait soutenu les éléments de la gendarmerie nationale, un soutien qui a redoublé actuellement. Pour preuve, c'est bien la première fois que nous disposons d'un hélicoptère qui a permis de sauver des dizaines de vies, selon toujours les propos du commandant de la gendarmerie. Actualité internationale pour terminer cette édition. La Turquie est touchée par des inondations d'une ampleur historique causées par d'intenses précipitations. Le président Erdogan s'est rendu auprès des populations sinistrées vendredi. Alors, tout de suite, le reportage sur les images de France 24. Ces images
filmées par un drone permettent de mieux se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. Ici, sur les bords de la mer Noire, l'eau a tout emporté sur son passage. Poteaux électriques, arbres, voitures, les rues de ce village sont désormais aussi impraticables que méconnaissables. Un peu plus loin, cet immeuble, en partie détruit, qui menace de s'effondrer à chaque instant. Les habitants sont comme hébétés. Je n'ai rien vu venir. Je suis sortie et d'un coup, l'eau a jailli derrière moi. Je ne pouvais même plus me retourner. L'eau a tout emporté. Les maisons, les gens, absolument tout. Par endroits, le niveau de l'eau a dépassé les 4 mètres. Emporté par les flots, de nombreuses personnes manquent toujours à l'appel. Ce vendredi, le président Recep Tayyip Erdogan s'est rendu au chevet des victimes de ces inondations meurtrières. Il a promis l'aide du gouvernement et pointé du doigt le changement climatique. Cela ne se produit pas uniquement dans notre pays. Il y a aussi les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et de nombreuses régions d'Europe qui sont elles aussi en proie à toutes sortes de désastres naturels. À peine remise d'incendie meurtrier, la Turquie est donc frappée par une deuxième catastrophe naturelle coup sur coup, les pires inondations depuis des décennies dans le pays. Ne manquez pas donc nos retrouvailles à 19h30 avec toujours plus d'informations, mais en version malgache. Restez sur TV Plus Madagascar et à tout de suite.